Putain, chez le centenaire. Il était là autant de... Autant de... autant de quelqu'un. Donc il y a 100 ans alors. Plus de 100 ans. Vraiment, il y a plus de 100 ans du chéri. Il est répertorié ? Dans les arbres remarquables. D'accord. Bonjour Anne Zerzik, bonjour Jean-François Quérot. Donc vous êtes les initiateurs de cette marche solidaire. Alors, au niveau de l'agglomération, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça s'est fait? Alors, c'est la sixième marche solidaire aujourd'hui. L'idée de la marche solidaire, c'est donner l'occasion aux Val Européens de montrer qu'ils sont solidaires, notamment des associations caritatives, et qu'ils contribuent en s'inscrivant aujourd'hui à donner un coup de pouce financier à différentes associations. Et cette année, c'est l'AVAX et 1077 qui sont bénéficiaires. Et pour arriver à mettre en œuvre cette chaîne entre les dons et les associations, Val d'Europe Agglomération a fait appel aux entreprises de Val d'Europe, donc au CEP, qui a répondu présent pour nous donner un coup de main, et c'est Jean-François qui va nous en parler. Et donc Jean-François, c'est vous qui avez donc vendu les t-shirts, c'est ça? Donc tous les t-shirts. Voilà. Oui, c'est Val d'Europe Agglomération qui a organisé cette manifestation. C'est une manifestation qui aujourd'hui prend un tournant particulier parce que c'est le premier jour du printemps. On a également la solidarité Ukraine auquel tout le monde pense, et c'est une association, enfin une opération de solidarité en faveur effectivement de la lutte contre la précarité, contre le cancer. Le CEB et la communauté des entreprises se contentent, elles, de servir de banque et de passerelle financière entre tous ceux qui se sont inscrits en ligne, qui ont participé, qui sont très nombreux cette année à cette marche, et puis effectivement à animer avec les stands des différentes entreprises marquantes du territoire. Donc combien de participants aujourd'hui? 600 d'après mes informations. On a dépassé les 700, on va avoir des chiffres un peu plus affinés, mais on est bien au-delà de 700. Et on serait à grosso modo à combien de sommes récoltées? Alors ça va tourner, parce que c'est des petites sommes, c'est entre 3 et 5 euros, mais on va tourner autour de 3 ou 4 000 euros qui vont être complètement donnés à l'ensemble des associations bénéficiaires. Le CEB, effectivement, qui a collecté tous ces fonds, l'a fait vraiment bénévolement. Ça a entraîné des coûts et beaucoup de temps de la part de l'ensemble des membres du Club des entrepreneurs de Val d'Europe, mais il reverse l'intégralité aux deux associations bénéficiaires de la démarche. Donc ça, c'est tout ça pour dire que les entreprises ont aussi du cœur. Une association de parents bénévoles pour les enfants ayant un trouble spécifique des apprentissages, comme la dyslexie qui est un trouble écrit, mais aussi la dysphasie qui est un trouble oral. Si je dois résumer ce que c'est que la dyslexie ou la dysphasie, dyslexie, la langue maternelle, en fait, n'est pas le français, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte est obligé de le déchiffrer continuellement. Et au niveau de la dysphasie, c'est la même chose au niveau de l'oral. Nous avons des 10 très célèbres, notamment Mika qui est le chanteur. Il y a Eichel qui était dysphasique. Il y a Luc Besson. Vous êtes aussi dyslexique? Je suis dyslexique aussi. Alors, c'est vrai que c'est un trouble qui est très mal connu, puisque la dyslexie, en fait, le diagnostic a été mis au Royaume-Uni fin des années 60. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, nous avons 2% de dysphasie, 4% de dyspraxie, qui est un trouble de la coordination des gestes, et 8,5% de dyslexie. Très bien. Et donc, votre association, elle intervient comment? Alors, nous sommes là pour aider les parents, parce que c'est vrai que quand un diagnostic tombe comme ça, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. C'est un handicap invisible. C'est vrai que quand on dit que des fois il faut faire un dossier MDPH à la maison départementale de la personne handicapée, ben ça fait peur, ça fait mal, mine de rien. On est là, on a un partenariat donc avec la MDPH, mais aussi avec l'éducation nationale, où nous avons formé notamment pendant plus de 10 ans les auxiliaires de vie scolaire. Et aussi les professeurs et des psychologues scolaires il y a quelques années. Donc si les gens veulent vous aider, comment ils font alors? Alors, nous sommes là pour ça, hein, pour aider que ce soit les enfants, les adolescents, les parents, mais aussi l'éducation nationale ou les professionnels de paramédicaux comme les psychomotes, les ergots, mais aussi les psychologues qui des fois nous téléphonent. Donc ils n'ont qu'à nous envoyer un mail à 1077@
club-du6internet.fr. Il n'y a pas de souci, on répond dans les deux jours en général, hein. Pas le jour même, parce que nous sommes des parents bénévoles et nous travaillons. Très bien, merci beaucoup, merci. Merci à vous. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la VAX alors? Association Vaincre le cancer solidairement. C'est une association qui a 20 ans, qui a été montée par des malades touchés par le cancer à la clinique Saint-Faron de Marœuil-Limoux. Et au départ, c'était surtout des groupes de parole et des groupes de soutien entre les malades qui avaient fait une formation qui s'appelait « Vivre avec le cancer », on leur expliquait les traitements et les conséquences. Et 20 ans après, la VAX, c'est 190 adhérents, 40 bénévoles et des ateliers de retour au bien-être qui sont faits par des animateurs spécialisés dans le cancer. Donc nous avons un appartement qui s'appelle la Maison des patients et des proches à Meaux, dans le quartier du marché, où se passent les ateliers. Donc des bénévoles sont là pour l'accueil le lundi après-midi, mardi après-midi, jeudi après-midi, vendredi après-midi. Et il y a un accueil chaleureux, c'est une bulle de détente dans leur dur parcours du cancer. On les aide aussi à faire leur démarche si elles sont en difficulté, on les réoriente sur des spécialistes. On ne donne aucun conseil médical, on est là que pour le plaisir et la détente. Alors les dames arrivent fatiguées quand vous êtes en chimiothérapie, c'est épuisant. Quand vous avez de la radiothérapie, ça brûle. Et on a une magnétiseuse qui arrive à baisser la sensation de brûlure en 3 séances. Et à la fin, il y a une collation qui est servie, et ça c'est le moment important, parce que, alors je dis les dames parce qu'on a beaucoup de cancer du sein, vu que la clinique est un centre cancer du sein. Et il y a des échanges entre elles, il y a beaucoup de discussions, tes cheveux sont tombés, t'inquiète, ça va repousser, la reconstruction mammaire. Voilà. Très bien, merci, merci beaucoup. Je vous en prie.